Bien, oui, d'abord, les associations sont à la base même de la démocratie, puisque les associations veulent faire vivre, au fond, ce qui est notre devise républicaine, c'est-à-dire la liberté, l'égalité et la fraternité. Elles sont là depuis les Grecs, et je note que d'ailleurs, à chaque grande période historique, on fait ressurgir l'importance d'être dans des associations pour faire vivre la démocratie. C'est une des conditions de la participation, au fond, du politique qui peut avoir des incidences positives sur la participation à la politique elle-même. Oui, mais au fond, il y a un bon mélange, me semble-t-il, dans les associations entre participation et représentation. Au sens où, comme vous le savez, il y a des élections dans les associations, un conseil d'administration, un bureau, un président, un vice-président, etc. Donc ça existe. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la délibération qui précède, en général, résout la plupart des problèmes. Ça se fait selon d'ailleurs ce que les Grecs dans leur démocratie pensaient, c'est-à-dire une démocratie de consensus, puisque les Grecs répugnaient au vote en fait d'une certaine façon. Alors dans les associations, on ne répugne pas au vote, simplement le vote parfois paraît, j'allais dire soviétique, excusez-moi, paraît parfois un peu trop unanimiste, parce qu'il y a un seul candidat, mais parce que tout le monde a été d'accord pour qu'il y ait ce candidat, et évidemment ce candidat est plébiscité. Et donc, je pense que ce mélange-là dit quelque chose de ce qu'il faudrait faire à l'échelle nationale, c'est-à-dire, au fond, qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de délibération et de participation, et ne pas s'en tenir à la forme politique de la représentation. Je dirais, il y a plusieurs degrés de participation. Donc, on peut participer au local, on peut participer au régional. Donc, il y a des formes d'engagement différentes. Je crois que toute forme de participation est au fond un engagement de la personne à partir du moment où il ne s'agit pas simplement de prendre une carte, mais d'exercer une forme de responsabilité. Donc, oui, participation. On peut considérer que l'engagement est plus large au sens où il peut peut-être avoir une dimension civique que la simple participation n'a pas. Donc, pour répondre à votre question, je dirais l'engagement suppose un élargissement de la participation, au moins dans l'espace mental ou dans l'espace de la réflexion, et conduit probablement vers une attitude plus civique que la simple participation à une association sportive ou autre.